Camille Bedin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire nationale à l'égalité des chances. Pensez-vous que l'égalité des chances, c'est une valeur que peut défendre l'UMP ? L'égalité des chances, c'est une valeur de l'UMP. C'est une valeur que défendait le candidat Nicolas Sarkozy quand il était président de l'UMP. Et c'est une action que mène quotidiennement le gouvernement. L'égalité des chances, c'est quoi ? C'est tout simplement récompenser le travail de chacun et réussir en fonction de son travail, son mérite, son effort, ses compétences. C'est faire en sorte que ça soit possible en France, que par exemple un jeune qui est isolé dans un milieu rural puisse réussir comme tout le monde, qu'un jeune fils d'artisan, fils de commerçant puisse avoir les mêmes chances que tous, alors qu'aujourd'hui il est trop riche pour bénéficier des aides et des bourses et en même temps assez pauvre pour bien galérer. C'est faire en sorte que toute cette jeunesse-là puisse réussir dans les mêmes conditions avec les mêmes chances. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en œuvre ? Alors, c'est tout simplement des propositions, puisque l'objectif que je me suis fixé, c'est que l'égalité des chances soit une valeur dans le projet que portera le président en 2012, comme cela a été en 2007. Et c'est-à-dire que je vais faire une proposition mensuelle, donc tous les mois pendant un an, sur le thème de l'égalité des chances, de la petite enfance à l'accès au premier job. On fera des propositions pour faire en sorte que tous ces jeunes-là, depuis tout petit jusqu'à l'accès au marché du travail, ils aient les mêmes chances de réussir.